Et bonjour à tous, bienvenue sur E-World Oldies, c'est Mitch. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vidéo test, donc sur ma borne d'arcade, et plus principalement sur Metal Slug, un super véhicule. Voilà, donc un jeu sorti en 1996. Alors je connais la série, je connais pas le jeu particulièrement, hein, mais je connais la série. Donc on va le découvrir ensemble. C'est une petite surprise en même temps pour moi. Alors là il me demande d'insérer une pièce, hein. Donc on va se mettre 3 crédits. Je pense que c'est bien. C'est comme si j'aurais mis 5 balles à peu près, je pense, de l'époque. Alors vous voyez, un ou deux players. Là comme vous le voyez à l'écran, au moment même, le petit véhicule à côté, normalement on pourra le disposer au fur et à mesure des niveaux, hein. Alors le bouton B, non, on va commencer par le bouton A pour tirer, donc le joystick, hein, pour avancer, reculer, s'abaisser en l'air. Alors ce qui est génial dans ce Metal Slug, vous voyez, on peut tirer en l'air, sur les côtés, en bas, en sautant comme ceci. Vous voyez, ça c'est une bonne particularité. Et ensuite il y a le bouton C, voilà, avec lequel on peut jeter des bombes. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, donc Metal Slug, hein, un petit beat'em all, franchement de toute beauté. Purée, y a rien à dire. La skin des ennemis, franchement l'IA est vraiment réactive, je trouve. Je sais pas si vous voyez là, j'ai marqué un temps d'arrêt, mais regardez par vous-même l'ombre, enfin le reflet plutôt dans la flaque d'eau. Franchement je trouve juste énorme. Enfin voilà. C'était pour souligner un peu. Ah, un prisonnier. Vous voyez, à chaque fois qu'on le libère, il nous donne des items, hein. Bon, il faut le toucher, par contre, après. Voilà. Purée. Un item de feu, là. Juste énorme. Vous voyez, la skin des ennemis, franchement. Avec ce qu'ils font à ramper, etc. Franchement. Ah, oh putain. Un premier boss. Voilà. Alors ce Metal Slug a une... pas que ce Metal Slug, mais il a une particularité, c'est que avec le bouton A, lorsqu'on est proche d'un ennemi, vous voyez, hop, on le poignarde comme ceci. Alors là, on peut tendre des pièges en tirant dans les tonneaux, etc. Bon, je connais un petit peu le niveau, hein, je l'avais déjà fait, vous voyez, on peut tendre plein de pièges. Ah purée, je me suis mangé sa roquette. Je disais, ouais, on peut tendre parfois des pièges qui traînent par-ci par-là aux ennemis. Franchement, les graphismes sont vraiment énormissimes. Et la fluidité, quoi. Franchement, la fluidité dans le gameplay, en plus avec les joysticks, là j'apprécie. Oh zut, mon véhicule a déjà explosé. Pourtant, c'était là qu'on pouvait disposer du véhicule, bordel. Je sais pas pourquoi elle a explosé. Je sais pas si vous avez fait attention, regardez le poisson. À force que j'ai tiré dedans, bah, tout simplement, il s'est squelettisé. Il s'est décomposé. Voilà, tout simplement. Oh purée, la boule bleue, je l'ai vu, mais au dernier moment. Allez, encore un continu. Avec la petite poupoule, là. Bah purée. Oh, si je perds mes vies comme ça, ça va pas le faire, hein. Bah, il faut que ça cesse, là. Et ouais, c'est ça, c'est la grande particularité des jeux d'arcade, hein. C'est qu'ils étaient super durs. Parce que le but, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, c'était de nous faire claquer un max de thunes. Et donc, voilà. Ah, attends, je vais peut-être jeter des bombes aussi, parce que depuis tout à l'heure, je les utilise pas, ces purées de bombes, là. Ouais, bah si je tire pas dedans. Je suis pitoyable. Pardonnez ma prestation. En même temps, je découvre le jeu. Je me suis juste fait le premier niveau tout à l'heure, vite fait à l'arrache, hein, juste pour tester la capture. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu découvert le jeu. Alors lui là-bas, je sais qu'il y a un putain d'item. Par contre, je vais le laisser descendre. Ah, oh, mais non, il va se sauver. Ah, oh, bon, voilà. Bon, on va faire ce dernier boss.
Et puis on s'arrêtera là. Je crois que vous avez pu vous faire votre propre avis. Bon, par contre, j'ai rien sur le scénario. Je peux pas vous renseigner hein, vu que je découvre le jeu. J'avais décidé de faire en total live, en total direct live. Donc j'ai rien sur le scénario. Je sais pas trop pourquoi on est là. Mais vous me direz, on s'en fout un peu. Pour les jeux d'arcade, enfin moi personnellement, je m'en foutais un peu du scénario. Mon but c'était vraiment de m'éclater. Et là, franchement, je m'éclate. Je crois que... Oh purée! Mais par contre, il est d'une dureté ce jeu. Enfin voilà, bah écoute, on va s'arrêter là. Tant pis, j'aurais pas vaincu le deuxième boss. Je vois qu'on en est déjà rendu donc à 5 minutes. Ouais, 5 bonnes minutes seulement. Bon, attendez, on va peut-être se remettre à crédit. Même 3 crédits, il y a que 5 minutes. Je pensais que ça faisait plus longtemps qu'on était ensemble, vous voyez. Donc on va le détruire vite fait. Puis aller voir le deuxième niveau. Il y a que 5 minutes, vous voyez, franchement, ils vont plutôt rapidement les niveaux. Enfin voilà. Mission incomplète. On va aller voir la mission 2. Et puis après, on s'arrêtera là cette fois-ci. Hein. Donc je sais plus si j'ai dit, mais oui, si j'ai dit au début. Hein. Donc jouable à 2 joueurs. Bon, et puis il n'y a rien d'autre, hein, globalement. Dans la... Oh, joli ça, j'avais pas vu. L'interaction avec le décor comme ça. Ouais, franchement, c'est plutôt énorme. Ah ouais, mais si je me tue. Et lui, là. Petit coup de poignard. Ah ouais, là. Purée, là, c'est chiant. Ah, oh, j'ai sauté au lieu de jeter une grenade. Je voulais jeter une grenade, j'ai sauté. Oh, c'est énorme. Un levier. Je sais pas à quoi il sert. Oh, je suis mort comment là? Oh là, je fais carnage là. Ah ouais, mais leur bouboule là, putain. Ah purée, ce jeu. Oh, vous voyez, on a même pas une barre de vie quoi. C'est direct, on crève. Hein. Franchement, enfoiros. Et c'est en ça que le jeu est énorme. Franchement, moi je trouve. Ah, dans l'eau, on meurt. Bon, il me reste un crédit. Ah, des roquettes. Tant mieux parce qu'on en a besoin là. Pour ce tank. Ah, je suis tombé dans l'eau. Fallait tomber sur le bateau. Eh, j'ai fait couler le bateau. Non, voilà un autre apparemment. Oh, on va un troisième. Franchement, les graphismes sont énormissimes. Attends, je vais remonter là. Comment je remonte là? Oh, fais-moi remonter là. Oh, le fusil à pompe. Point là là. Des points, on s'en fout. Oh, le fusil à pompe de malade. Franchement, c'est énorme. Oh non, je voulais garder mon fusil à pompe. On se croirait dans Ghouls and Ghost. Vous savez, si on prend l'item, malheureusement, on peut plus rien faire. Ah, purée. Bon, ben voilà, cette fois-ci, je... Ah non, je suis pas mort. C'est bon, ça. Allez,
une vie, un flingue pourri. Bon bah voilà. Cette fois-ci, je pense que je suis vraiment mort. Bon bah voilà. Écoutez, vous avez pu vous faire votre propre aperçu, je pense, votre propre opinion surtout. Et puis voilà, hein. Ça fait 10 minutes. Vous voyez, c'est quand même énorme. Il y a vraiment un intérêt donc à avoir fait ça, hein, moi je trouve personnellement. Je regrette absolument pas d'avoir créé cette borne d'arcade. Et en plus, je peux la capturer. Donc c'est juste énorme. Donc voilà, c'est superbe. Donc sachez que vous pourrez retrouver nos prochains tests sur e-world oldies. Donc sur la chaîne en ce moment, hein, apparemment, puisque le site a l'air fermé. Je suis pas plus au courant que ça malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, game over pour nous les amis. Et puis voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de bonnes et agréables fêtes de fin d'année. Et puis voilà, sur ce les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.